Un homme angoissé. Pendant longtemps, Jean Dujardin a été submergé par ses angoisses, en particulier celles liées à sa légitimité en tant qu'acteur. Suis-je assez généreux pour satisfaire le public? Ai-je assez de profondeur pour tel rôle? S'interrogeait-il, comme il l'explique dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 16 mars. Mais peu à peu cela a basculé vers de simples doutes. Et si est-il bien d'un avoir, ce sont des garde-fous, de bons compagnons, contrairement à l'angoisse qui, elle, est hostile, estime l'intéressé. Un changement d'état d'esprit qu'il doit en grande partie au fait d'avoir renoué avec les joies de la paternité à l'âge de 50 ans. Après avoir eu deux garçons au début des années 2000, Jean Dujardin est à nouveau devenu père 15 ans plus tard. Nathalie Péchala a donné naissance à leur première fille, Jeanne, il y a 7 ans, puis à une petite Alice, maintenant âgée de 2 ans. À 30 ans, on est sur soi, on a envie d'en découdre, on cherche à se prouver des choses et les enfants en pâtissent forcément, même si on finit toujours par les rattraper, surtout chez nous, un clan qui s'efforce de ne laisser personne sur le bord de la route, analyse-t-il. Comment Jean Dujardin corrige sa première paternité et de se justifier, quand on me répète que j'aurais pu faire carrière aux États-Unis, on oublie quelque chose, j'ai une famille, j'ai ma vie ici. J'assume mes filles et je suis heureux de vivre à nouveau une paternité et de la corriger. Si est-il comme une seconde chance. Une manière pour lui qui s'est tant concentré sur sa carrière de ne pas faire les mêmes erreurs qu'avec ses deux garçons. De profiter davantage de sa progéniture. D'ailleurs, si est-il simple, pour lui, 50 ans, si est-il le meilleur âge pour devenir père. Je le ressens vraiment. On nous arnaque sur cette histoire d'âge, on devrait nous laisser 35, 40 ans d'adolescence, on fait des enfants à 50, on commence à se détendre à 100, et on vit jusqu'à 120 ans. Voilà le projet, s'amuse-t-il. Et si c'était la clé du bonheur,